Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Brévin-les-Pins et nous allons à la maison Fradéan. Nous allons rencontrer Alain Fradéan, boucher de son métier, voilà, et qui va nous raconter ce qu'il fait ici dans sa boucherie-charcuterie avec sa femme Céline. C'est ça. Donc on est depuis 14 ans installé à Saint-Brévin-les-Pins. Avec une équipe de personnes, on est 9 en tout, entre charcutier, boucher, apprenti, j'ai 2 apprentis. Alors nous faisons du label rouge en majorité, en viande bœuf fermier de Vendée, veau du Limousin, blason, du porc fermier de la Sarthe, label rouge. Évidemment, agneau, voilà. Agneau du pays de Vendée. Voilà, et qui viennent d'ailleurs de chez vos parents. En ce moment, oui, il vient de chez mon papa qui est en Vendée, voilà. D'accord. Qui a tué quelques agneaux. L'abattoir, bien sûr. D'accord. Et donc ici à Saint-Brévin-les-Pins, vous êtes en plein centre-ville. Voilà. Seul artisan de Saint-Brévin ? Seul artisan, oui. D'accord. Et donc depuis 14 ans ici, vous faites beaucoup de viande à label rouge, voilà. Vous venez de le dire. En charcuterie également, quelques fabrications. On fait du traiteur, de la charcuterie, pâté de campagne, on fait des saucisses, on fait des rillettes de porc. Enfin, on fait des spécialités bouchères, crues comme cuit. D'accord, ben c'est parfait. Alors, il paraît qu'on va se revoir cet été pour faire une animation. Tout à fait. C'est voilà. Des animations avec, que vous aimez bien faire. Avec plaisir, avec barbecue et plein de choses à déguster. D'accord, bon, mais alors à ce moment-là, on se verra cet été à Saint-Brévin et on va faire une animation pour fermiers de la Sarthe la Belle Rouge. Avec le soleil. Avec le soleil, ici à la maison Fradéan à Saint-Brévin. Merci, Alain. Je vous en prie, au revoir.